La résolution d'une équation du second degré par la méthode de compression de carré. Soit l'équation 6m2 est égale à n plus 5. Alors, ce qu'on veut trouver aujourd'hui, c'est par quel nombre on pourrait remplacer n pour que 6 fois ce nombre-là élevé au carré sera égal à ce nombre-là plus 5. On peut y arriver à tâtons, mais on risque fort d'oublier certains nombres. Possible. Alors, pour résoudre cette équation-là par la méthode de compression de carré, ce qu'il faut faire au tout début, c'est de tout ramener du même côté pour être égal à 0. C'est la façon la plus simple. Alors, on aura 6n2 moins n, puisqu'on a traversé de côté, moins 5, et il ne restera plus rien à droite de l'égalité. On aura donc notre 0. Alors, on va travailler avec cette équation générale-là du second degré. Pour la méthode de complétion de carré, ce qu'il faut faire au tout début, c'est de diviser par 6 tout le monde, de chaque côté de l'égalité, c'est-à-dire de mettre 6 en évidence. Il nous restera donc n2 moins 1n sur 6, moins 5 sur 6, que je vais mettre un petit peu plus loin, fermer la parenthèse, égale à 0 divisé par 6, ça n'en va 0. Ça veut dire qu'on a divisé, dans le fond, par 6 ici, par 6 ici, mais on peut complètement l'enlever, parce que 0 divisé par 6, ça fait 0. Ça fait qu'on vient déjà d'alléger l'écriture. Il faut maintenant faire la complétion de carré. Alors, il faut toujours ajouter quelque chose et tout de suite, on va venir le soustraire. Qu'est-ce qu'on va ajouter? C'est toujours le terme du milieu, donc moins 1 sixième, qu'on va diviser par 2 élevé au carré. Alors, si je fais moins 1 sixième, divisé par 2, c'est comme divisé par 2 unième. Je viens donc dire que c'est 1 sixième multiplié par l'inverse de 2 unième qui sera 1 demi. C'est-à-dire que ça va donner moins 1 douzième, mais il faut maintenant l'élever au carré. Ça veut dire que ça va faire 1 144e. Alors des sixièmes divisés par 2, ça devient des douzièmes, c'est normal. Et on élève au carré, ce qui fait que j'ajoute 1 sur 144, mais j'enlève aussitôt 1 sur 144. Je vais effacer ici. Qu'est-ce que j'aurais fait maintenant? J'aurais fait ma complétion de carré. Ici, on a un trinôme carré parfait. Et en factorisant ce trinôme carré parfait-là, on se retrouve avec un binôme élevé au carré. Alors, ce binôme-là, c'est la racine carrée de n2, donc n. Le signe du terme du milieu, c'est un moins, donc ici, ce sera un moins. Et la racine carrée de 144e, ça va nous donner 1 douzième. On peut tout de suite, si on veut, calculer ce que va faire les deux termes restants ici. Alors, on a des 144e, des sixièmes. Il faut mettre sur le même dénominateur. Alors, je vais mettre sur 144. Donc, je vais multiplier par 24. Je vais multiplier par 24. J'aurai donc moins 1, moins 5 fois 24. Et ici, je vais écrire que ça va donner 120. Alors, j'aurai moins 1 moins 120, ça va donner moins 121 sur 144. Et toujours égal à 0. Comme je veux résoudre, je veux isoler toujours mon n, parce qu'on est toujours en train de chercher les valeurs de n. On va apporter de l'autre côté notre 121-144, il va changer de signe, ça va faire n moins 1 douzième au carré, est égal à 121 sur 144.
on va extraire la racine carrée des deux côtés. Ce qui fait que j'aurai n moins 1 douzième sera égal à plus ou moins la racine carrée de 121 sur 144. C'est très important de plus ou moins parce que c'est ce qui va faire apparaître nos deux solutions. J'aurai donc, si je simplifie, mon n moins 1 douzième est égal à la racine de 121, c'est 11, la racine de 144, c'est 12. Donc, plus ou moins 11 douzièmes. Et en amenant mon 1, moins 1 douzième de l'autre côté, j'aurai n est égal à 1 douzième plus ou moins 11 douzièmes. Or, je vais travailler une fois avec le plus, ici. Ça va faire 1 douzième plus 11 douzièmes égale 12 douzièmes ou 1. Mais aussi, j'aurai le moins. 1 douzième moins 11 douzièmes, ce qui va me donner moins 10 douzièmes, et simplifié, moins 5 sixièmes. J'aurai donc deux valeurs. J'aurai n égale 1 ou n égale moins 5 sixièmes. Et on va tout de suite aller vérifier, est-ce que ça marche réellement? J'avais mon équation 6n2 est égal à n plus 5. Remplaçons n par 1. J'aurai 6 fois 1 au carré. Est-ce que c'est égal à 1 plus 5? Donc, 1 au carré, ça fait 1, 6 fois 1, ça fait bien 6. Est-ce que c'est égal à 1 plus 5? 6. Mais vérifions aussi avec moins 5 sixièmes qui devrait fonctionner. Donc, 6 fois moins 5 sixièmes au carré, est-ce que ce sera égal à moins 5 sixièmes plus 5 unièmes. Alors, moins 5 sixièmes au carré, ça fait moins 5 sixièmes fois moins 5 sixièmes, ça fait 6 fois 25 sur 36. De l'autre côté, on va mettre au même dénominateur, donc on va faire ici fois 6 fois 6. Ça va me donner moins 5 plus 30. 5 fois 6 fait 30. Ça va donner moins, ça va donner plus 25 sur 6. Du bord de gauche, on va pouvoir simplifier le 6 avec le 36. Donc 1 sixième. Ce qui va faire qu'à gauche, il va rester 25 sixièmes. Est-ce que c'est égal à 25 sixièmes? Oui. Donc, les deux réponses sont bonnes, à savoir n est égal à 1 ou n est égal à moins 5 sixièmes. Et on vient de résoudre l'équation par la compression de carré.